Salut, c'est Fred. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la suite du Let's Play sur le jeu South Park: Found Destroyer. Alors, sur l'épisode précédent, on s'était quitté sur un combat PVP raté. Est-ce que celui-là, on va être obligé de refaire un combat PVP? Comme annoncé, ouais, il faut le gagner obligatoirement. Donc, comme annoncé dans l'épisode précédent, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura une coupure en cas de défaite, tout simplement. Parce que je sens que je vais enchaîner les combats PVP là. Et c'est pas le but. On n'est pas dans un épisode spécial, on est dans la suite du Let's Play. Hein. Bon, j'espère que ça va bien se passer quand même. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'espère que ça ira. On a qui? Oh, mais non! Big Boss Mario 64. Sérieusement, quoi. Il met qui? On va faire la même strat que lui. Mais je l'ai pas, ce perso. Redonne de la vie s'il te plaît, super, voilà, parfait. Ah mais l'autre, il a le temps de tuer tous mes pigeons, ça craint. Voilà, c'est bien ça. Allez, allez l'attaquer directement. Il redonne un peu de vie, voilà. Même si c'est pas beaucoup, c'est ce qu'il faut. Vas-y, one shot là. Ah, pas le temps. Elle a été directement l'attaquer lui, ça c'est bien. Alors. Hop. Voilà. Bon, je m'en doutais qu'il serait fait one shot, mais bon. Aïe 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 aïe, il tac deux fois lui. C'est quoi ça? Ah ouais, il nous fait une charge. Sérieux? Ouais, hop. Par contre, lui, il fait du dégât avec son chapeau. Arrête de faire du et attaque. Hop, elles se sont annihilées. Voilà, c'est bien ça. Aïe, 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 aïe. Là, faut faire gaffe. On va avoir la mort subite là. Je suis en train de mettre de côté pour la mort subite. Hop. Victoire! Oh bah ça va même pas de mort subite. Parfait. Parfait, parfait. Ouais ça va. J'avais cru que ça avait bugué. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On a réussi le premier combat PVP. Il n'y aura pas besoin de cut à faire. Ah, on a à nouveau des anciennes cartes. 35 tickets combat PVP, ok. 3 tickets combat PVP. Ça marche. Continue. J'ai eu de la chance, je crois. Hein. Ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir lancer des attaques de feu et d'électrique directement sur le perso. Et qu'il y ait eu des personnages aussi qui sont. Qu'ils ont pu l'atteindre directement. Bon, on va enfin pouvoir continuer le mode histoire là. Et découvrir après la suite. Tête de Shintos. Alors, toujours en difficile, non mais vous pouvez pas nous remettre du facile là.
Le let's play commençait par du facile, j'aime bien le facile moi. On doit se gratter la tête pour réussir les combats, merci quoi. Alors, ça vient pas? Si, ça vient. Alors là, on va prendre lui. 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 On va prendre elle. Ah, les rats qui arrivent d'un coup là. C'est quoi tout ça? Sérieusement? On a eu une horde de rats. On va mettre un peu de côté dans le monde, on a assez avec eux. Je vais peut-être prendre des pigeons pour faire des dégâts en hauteur. Et, là, ils servent les pigeons, voilà. Pour les petits persos, ils servent. Par contre, on va revoir quelqu'un qui va nous attaquer par derrière, je le sens bien. Hop, hop. Hop, parfait. Et je la mets un peu derrière. Hop. Alors. Kenny Cyborg. Ah, on l'affronte directement? Non. Non, ouais, il invoque, ce que j'allais dire. Ah ouais, il invoque plein de persos. Bon, bah si tu veux invoquer du perso, on va invoquer du perso. Hein. On va voir si tout se passe bien. Par contre, qui prend le contrôle de mes persos, il pourrait éviter, s'il te plaît, merci. Ah là 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 là. J'ai plus assez d'énergie là. Hop. Font le taf les pigeons, mais dommage qu'il y en a un qui tire par derrière. Il n'y aurait pas eu le perso qui tire, ça aurait été mieux. Allez, 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 allez. Ah non! Ça craint. Je dois remettre Catman. Je suis obligé. Il reprend le contrôle. 1, 2, 3. Je me refaire one shot mon Cartman. Voilà. Mais non! Salaud! Pour être vu, je veux pas être vulgaire, mais là ça va un peu. Je suis un peu dégoûté là. Je suis en train de me faire attaquer directement. Il va reprendre le contrôle. Ça craint. Ah là 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 là. S'il vous plaît. C'est la chute là. Je n'aime pas ce perso en fauteuil roulant là. Il me fait trop de dégâts. J'arrive pas à invoquer plein de persos. Je vais pas m'en sortir. Je vais pas m'en sortir. Non. Elle a plus de vie l'autre en plus. Il m'énerve l'autre là. Il est en train de tout détruire. J'en peux plus. Ça m'énerve. Tire de loin, voilà. Voilà, parfait ça. Ça c'est très bien ça. Hop, attaquez-le directement maintenant. Oh non!
On va prendre quelqu'un qui tire de loin. Non, mais tire! Qu'est-ce que tu fais? Voilà! Tire, 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 tire! Il a redonné un peu de vie à mon perso, c'est bien ça. J'ai plus qu'une petite attaque à lui lancer et je gagne. Allez, allez! Non, il lui reste 10 points de vie, non! Ça, c'est abusé, les 10 points de vie. Non! Non! Ah, ça va se retourner dans pas longtemps, il faut que j'attaque directement. Vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Hop, allez, salut. C'était obligé que je fasse ça, c'était obligé. J'allais jamais m'en sortir sinon. Fallait l'attaquer directement. Ouais, des fois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Hein. Y'a que ça à faire. Hein. Je pense pas que j'aurais gagné si j'avais invoqué des persos là. Si j'avais fait qu'invoquer des persos, j'aurais pas gagné. C'est sûr. Oh mon dieu, ils ont tué Kenny. Yupinisé, c'est quoi ça? C'est un drôle de nom. Yupinisé. Ok. Ça marche. Faites calmer, Butters. Hein. Je lis pas les SMS, mais j'arrive à lire les mots bizarres. Hein. Attention. Je t'ai à l'œil. Hein. Allez, encore un cut à faire avec ça. Namaste, new kid. I am calling from the far reaches of Asia to ask for your help. Your amazing powers of always being on the phone have served you well, and you have nearly become one with your phone. Ça me demande du montage de fou, le coup de téléphone. Ceux qui ont joué comprennent pourquoi, parce que le fichage est pas pareil. Quickly, I've marked their location on your map. Ouais, je vous raconte pas le montage qu'il faut à chaque fois pour un coup de téléphone. Je passe à temps fou. Ah, on change d'univers, ça y est. Donc on va changer de perso, on va changer de carte, on va changer de plein de trucs. Oh, planque de ninja juive. Ils sont sérieux. Elle est sympa la miniature. Peut-être l'utiliser. Je vais peut-être l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait qu'un épisode, qu'un niveau. Je sais pas combien de temps on a fait. Bah, il va être un peu plus long cet épisode du coup. Il va être un peu plus long. Bon, c'est pas plus mal. Ah, on retrouve des niveaux normaux. Il est temps. Ah, mais ça veut dire qu'après, à la fin, ils vont être encore plus compliqués. Je me demande s'il y a des niveaux plus difficiles que le mode difficile. Je ne sais pas. Le mode ultime. Ah, elle est vraiment stylée, cette... Oh, faut que je réfléchisse. Alors, le bleu, content que tu sois venu. Tu ne peux pas... Quoi? Je peux pas quoi? Alors, le voilà, le bleu. Défoncez-le. C'est quoi ce truc? Ils sont tous contre moi. Et une seconde, c'est un piège. T'es vraiment un le bleu. Ah, ils sont tous contre moi alors. Un qui peut te botter le 1 quand il veut. Merci YouTube. Hein. Ah ouais, tu cherches la guerre. T'as pas affaire à un ordinaire. Ils sont sérieux. Bon. Défense. Défense. Du coup, on a carrément des nouveaux persos, quoi.
faut vraiment qu'il soit proche. Hein. Hop, il redonne de la vie, ça c'est bien. Putain, l'autre il passe à 536. Ouais. On se met une petite armée. De dégâts, il fait là maintenant. Alors, Craig le pasteur, loué soit le Seigneur. Okay. Open your heart for salvation. Aïe aïe aïe, ça fait mal aux oreilles ça. Ouais, elle est moins travaillée là, la mise en scène, là, je trouve. ...72 de dégâts, l'autre. Waouh. Assez concentré, là, je vous l'avoue. Ouais, il y a assez de persos, là, je pense, hein. Hop, voilà. Il lâche le micro comme une rockstar. Sérieux. Ah, c'est excellent. Alors. Bougie. Coins. Coins. Ok. Bon, là, il n'y a pas grand chose à remonter. Ils sont pas intéressants. Bon, bah, du coup, cet épisode va se terminer ici. Tant qu'à faire. Ça fait quand même pas mal de minutes qu'on est ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Et pour ma part, je vous retrouve rapidement pour la suite du Let's Play. Allez, salut. You call me and take me home.